1er mai 1989, à 16 ans et 11 mois, il entre en cours de jeu et débute chez les professionnels au stade de la Bougeoire à Nantes. Cannes, en bleu, fera match nul à partout. Plus de parfait pour les hommes de Jean-Fernand Bruce. C'est quand je suis arrivé à Cannes que j'ai pris conscience que je pouvais faire vraiment quelque chose. Donc, quand on est les joueurs professionnels, je pars et puis on m'entraîne tous les jours, tous les jours. Les gens ne voyaient pas en lui vraiment le grand joueur. Je me suis disputé, j'ai eu beaucoup de problèmes à faire admettre que c'était une personne qui avait des qualités au-dessus des autres. Après une année difficile, il vient de terminer son service militaire au bataillon de Joinville. Zinedine Zidane commence à s'imposer sur le terrain, bien sûr. 10 février 1991, la SCAN reçoit Nantes au stade de la Bourgogne. Il marque son premier but en première division et se voit offrir une voiture. Promise par ses dirigeants, ses potes étaient dans la tribune ce jour-là. C'est pas le but qui fait plaisir, c'est déjà le fait qu'il joue, qu'il fait son âge, des... Symbole ou coïncidence, Véronique, avec qui il se mariera, est venue le voir jouer pour la première fois lorsqu'il marque son premier but. Cannes se qualifiera d'ailleurs pour l'Europe cette saison. Arzanovic et Zidane pour terminer, un but splendide, un but qui récompense un joueur bourré de talent. Le 19 septembre 1991, c'est avec Luis Fernandez, Dussuy, Azanovic ou encore Sassus, Dre aussi et Turix qu'il dispute son premier match européen à Salgueiros au Portugal. De retour, il connaît sa première prolongation chez les professionnels. Cannes se qualifie au tir au but. Bon, je pense que s'il n'y avait pas eu Cannes, qu'il y avait eu des clubs de cité, des clubs... aux alentours, ça n'a pas marché. Donc Cannes, pour moi, ça a été le départ de, on va pas dire sa réussite, mais de sa chance. La distance avec ses copains, la distance avec tous ceux qui l'entourent, c'est ça sa réussite. C'est vrai qu'il était loin, c'est pas rare, vraiment, on est 200 km, et il s'est rencontré, on était loin, c'est tout. Hein. Vous alliez souvent ? Mais pour moi, comme règle, on y allait. Ses performances attirent les regards. Comme pour son premier but, il marque son dernier but avec Cannes contre Nantes, toujours sur un lob, et signe son premier contrat professionnel à Bordeaux. Il a alors 20 ans. Pour nous, c'est différent parce que là, finalement, c'était l'époque des grandes amitiés avec Dugas et Elisa. Ça a été, il a été très très bien entouré, il a passé de merveilleux moments, et puis il a passé aussi. Côté professionnel, il a fait, oui, en quelque sorte, ses armes, mais c'est là-bas que tout a commencé, finalement. C'est à Lens, au stade Félix Bollard, qu'il marque son premier but en championnat pour Bordeaux en septembre 1992. Rassurez-vous, il y en aura d'autres, et ce supporter lensois a bien dû se rattraper de tout. Entraîné par Roland Courbis, qui est à l'origine de sa venue à Bordeaux, les Girondins et Zinedine Zidane jouent le haut du tableau en championnat. On retrouve déjà parmi ses partenaires Vicente Lizarazu. Zinedine Zidane poursuit son ascension, il devient plus régulier et marque 11 buts pour sa première saison à Bordeaux. Ouais, je marque pour l'instant, c'est vrai que je me sens pas trop mal. Mais j'espère que, je vous dis, physiquement, ça sera mieux et quand physiquement je serai au top, j'espère encore faire mieux que ça. Voici son premier coup franc en championnat à Bordeaux contre Metz le 29 mai 1983. Lors de la dernière journée, les Bordelais s'imposent à Lyon. Ils terminent 4e et donc européen. Zinedine Zidane fait déjà l'unanimité parmi ses partenaires. Il est très respectueux des autres. Il ne se met jamais en avant. Mais en fait, il se met en avant quand il est sur le terrain. Parce que sa qualité l'oblige d'être vraiment un leader. Dès sa deuxième saison bordelaise, Zinedine Zidane se taille une réputation de redoutable.
formidable tireur de plus grand, n'est-ce pas, Bernard Lama? Depuis un an, Véronique, sa compagne, a choisi d'abandonner ses cours de danse à Cannes pour le suivre en Gironde, et sa présence n'est pas étrangère à son intégration à Cannes. Voici son premier but européen au premier tour de la Coupe de l'UEFA. Et alors que l'équipe de France joue dans le même temps sa qualification pour la Coupe du Monde aux États-Unis, Zinedine Zidane poursuit son bonhomme de chemin. Son toucher de balle, ses qualités techniques exceptionnelles, impressionnent. C'est le début d'une grande amitié avec Christophe Dugard. Sa rencontre en sélection, tout jeune, on dit qu'au départ, on n'était pas spécialement amis avec des copains, plus ou moins de collègues de travail d'ailleurs. Et bon, à partir du moment où on est arrivé à Porto, c'est vrai que ben, notre amitié s'est liée, et puis bon, on est pratiquement devenus séparables. Malgré ce coup franc de Zidane, Bordeaux est éliminé par Karlsruhe en huitième de finale de la Coupe d'Europe. Place au championnat où le trio Lizarazu, Dugarry, Zidane commence à faire parler de lui. Ici contre Lens, interception de Dugarry, relais de Lizarazu et but de Zidane. Toujours contre Lens, Zidane cette fois. Lizarazu ensuite. Et Dugarry pour le but. Bordeaux se qualifie encore pour la Coupe de l'UEFA au terme de la saison 93-94. Une superbe ambiance règne dans cette équipe de copains que l'on retrouve en quartier pour changer. On a eu Lizarazu, Zidane, Togo, voici Gaëtan Barre, en route pour quelques frissons très légers avant de chanter le plus rapide. C'est le plus petit d'abord. François Grenet, stagiaire au Girondin, Zinedine, accompagné de Véronique, s'initie du coup golf. À cet instant, l'équipe de France est éliminée de la Coupe du Monde aux États-Unis et on parle alors de Zidane pour 1998. On parle de jouer dans cette équipe, je crois que c'est plutôt un travail. C'est vrai que c'est bien loin, je crois qu'il y a 4 années de travail avec ça. Et je ferai tout pour être dans cette Coupe du Monde. 28 mai 1994, Zinedine Zidane épouse Véronique à Bordeaux. Et le 17 août, il reçoit peut-être son plus beau cadeau de mariage sous la forme d'une première sélection chez les Bleus. La France est menée 2-0. Zidane entre à 20 minutes de la fin et marque tout simplement deux buts. Le premier du gauche, après avoir mystifié les défenseurs de la République tchèque. Le deuxième de la tête. La France fait match nul. Il faut s'avouer un petit peu et après il faudra recommencer à bien jouer. C'est fabuleux ce qui m'arrive ce soir. Le début de la sélection, alors que bon, moi j'étais déjà super heureux d'être là dans le groupe, d'être avec tous ces joueurs importants. Donc, après marquer deux buts, c'était un rêve. Fatini et si intérieur, il est là, on le voit, de dedans, et quand t'as les gens qui crient, Zidane, c'est dire, c'est son cœur, c'est vrai. Et quels étaient les points faibles de Zidane? Ah, mais ça, c'était la tête, ça, c'est sûr, il n'y a pas de tête. J'ai vu le match cadet qui m'a fait là. L'entraînement, moi j'ai jamais dû arriver à le comprendre. Je ne sais pas ce qu'il va me faire, rien du tout, ça ne va pas. Et le coup, il y a un problème. Ouais, c'est vrai que c'est un peu faible, surtout la tête. Je me suis rendu compte en tant que garde gardien, là, on fait la tête. Mais quand il joue dans la rue, on fait la tête. La saison suivante, 1994-95, les Girondins doivent se contenter de la 7e place en championnat et d'une qualification pour la Coupe Intertoto. Parallèlement, ils sont rapidement éliminés en Coupe d'Europe. Après 3 saisons à Bordeaux, Zinedine Zidane totalise 34 buts depuis ses débuts professionnels et de nombreuses passes décisives. Qui sait qui adore faire marquer ses partenaires? Fofana ici à Nantes. L'équipe contre laquelle il aura mis le plus de buts en championnat de France,
avec Bordeaux, il ne change pas ses habitudes canoises. Pendant 3 ans, Roland Courbis a veillé sur celui qu'il surnommera le premier Zizou. Le jeune homme de Cannes a grandi. C'était très bien, quoi. La transition était parfaite. Je crois que c'est ce qu'il me fallait pour franchir un palier. Et j'ai passé 4 années où j'ai tout connu, quoi.